je vais faire comme ça. Je vais faire. Oula, psychédélique. Voilà. Et encore, c'est perfectible parce que. Attendez. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Hic. Le chat, je vais le remettre là. Très bien pour moi. Ça, ça va là. Ah, on y arrive. Ah, ah merde. Bonjour. Ah oui, merde, j'avais mis la... C'est pas là. Je vais faire comme ça. Ça, quick. D'ailleurs, j'ai envie de dire, je peux être vilain, je peux voir... Ah, c'était une scène qui m'avait écrit Couscous, qui est bête. Mais qui est bête. Il aime ça, ce fameux message privé. Dis-moi tout. Il aime le couscous souvent, il dit couscous à tous. Bah, habituellement, le couscous, je me l'achète en, vous savez, des boîtes dont la semoule est dans le couvercle. Et là, je vais essayer, justement, ça m'est tombé sous les yeux, en surgelé. Et je vais voir ce que ça va donner. Je vais me le déguster dans le courant de la semaine prochaine. C'est dans mon congèle et je vais voir ce que ça donne. Ce que je ferai, le sage, c'est que je ferai ma propre partie et je te l'enverrai après mes configurations pour mon stream. Ah oui, oui, tu voulais faire ton mode. Ouais. Oui, pas de soucis. Je t'enverrai des captures d'écran, comme ça m'évitera de te dire en vocal tac, 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 tac. Tu auras juste à copier. Un tableur ? Un tableur ? Tu reprends le nom des. Comme j'ai créé mon propre mode, je vois à quoi ça tient. C'est... On peut facilement faire un tableur et s'envoyer un modèle de. Non, mais je t'enverrai. Ça va, il y a juste deux captures, trois captures d'écran que je dois t'envoyer, ça va. Comme tu le sens. Ouais. Une pour les armes, une pour le décalage et une pour le nombre de caisses, de vies, de machin. De mode fun fine. Et comme c'est pas un mode pour m'avantager, hein, c'est un mode qui. Bah, il nous reste à faire le mode que tu disais qui était totalement délirant. Et le mien, déjà, le premier que j'ai fait qui est dit flamboyant. Non, mais pour mon mode délirant. T'as coupé la chic, ça y est. Ah non. J'ai l'impression que t'es comme un jouet. Les piles viennent de tomber en rade. Faut changer de piles, Fun. C'est parce que je suis en train de faire une phrase et je suis en train de voir ce que tu proposes en fait en même temps sur mon. Le mode bataille royale il est très facile à faire. Tu pourras le faire en direct. Mais je le garde encore secret, ce sera pour mon stream. Ah oui, t'as bien raison. Ce sera un mode complètement délirant, très rapide, qui va en frustrer pas mal, mais c'est celui qui fait le premier tour qui gagne. C'est pas compliqué, quasiment. Ah d'accord. Ah ouais, c'est celui qui a le premier truc qui a le gros avantage. C'est complètement compliqué. 43 gaz. 60 longue gauche 5 secondes. Ouais. Et ça va très vite ça. 60 gauche 6 sur 0 4. Et s'ouvre sur 100. Gauche 6 et droite 6 et longue gauche 6.
16h05 sur Serre 4. Route 60, loin droite 4, sous la crête. Je vais essayer de voir ce programme le dimanche, peut-être sans grand saut. Par exemple, tout le monde a essayé au moins une fois le jeu. Ça laisse une semaine de plus pour Clinton et Dragon Sky qui veulent s'améliorer. On verra, ce sera ou un samedi ou un dimanche, on verra. Droite 6 sur saut. Je pense que Bastos, il devait venir à une, je pense que comme il a vu une partie, et que comme il a regardé, il a pas regardé entièrement, mais il a regardé un peu le chat avec moi, avec le boulot et tout. Mais bon, il a déjà fait une partie peut-être avec lui, donc. J'avais pas prévu moi qu'on soit aussi nombreux en fait. Du coup il y a une personne qui devra être en attente. Je sais pas qui mais. On verra, c'est une circonstance. Même ça pourrait être moi, hein, même si je suis diffuseur. Je pourrais dire écoute, je vais faire un petit peu de vaisselle machin pendant une demi-heure, tout ça. Ben, moi enfin. Une heure, je me dois de participer parce que si je ne participe pas, il y aura 5, 60. Après, je frappe aussi, hein, si c'est une chose, si toi ou Bastos, surtout que comme c'est au jour, c'est un jeu pour partout, et des fois ça peut être long, on peut en même temps gérer un chat. Je ne peux pas parler en même temps. On aura terminé Worms, il se remettra à Gutler. Oui, j'ai remporté l'étape. Oui, Gauntlet, ouais. Faudra. Ce sera le prochain et j'aurai fait les deux jeux communautaires de l'été. C'est bien. Que l'année dernière, c'était Need for Speed, Hot Pursuit et Stronghold. Là, cette année, c'est Worms et Gutler. C'est cool. Ah oui. Il y avait aussi Xenotis pour Noël aussi. Mais vraiment, elle fait 3, elle a 2 points. Je compte pas les gars qui prennent, c'est un peu. Ça pouvait aussi être dedans. Ouais, ça fait 4. Que je reviens pas, moi, ce qui m'échappe, c'est que mon téléphone, il a plus d'avance que mon ordinateur. Ça me tue. Alors qu'il capte moins bien. Oui, mais sur ton téléphone, t'es en 4G ou t'es en internet Wi-Fi intérieur? Oui, c'est intérieur. Intéressant. Bah, vu que je suis à côté de ma box, je vais pas gaspiller la 4G. C'est logique d'ailleurs en même temps, mais bon, je préfère demander. Mais ouais, non, c'est. Je vois à peu près le problème pourquoi. Il y a un tampon de mémoire qui s'applique sur le PC qu'il n'y a pas dans le téléphone. Mais celui du téléphone est beaucoup plus court. Ah, pardon, je parle technique, mais. Les techniciens me comprennent. Les techniciens informatiques, excusez-moi. D'ailleurs, pour une 4G que j'utilise très peu, je paye 8 euros par mois chez vos téléphones. Et comme on dit, mon forfait, parce qu'ils me l'ont demandé, j'aurais pas dû parce que. Bah, parce que j'étais à 3 euros par mois. C'est un budget. Ouais. 8 euros pour, je crois, 250 000 euros. Comme ça, c'est vraiment pas bon.
questions avant de partir, le sage. Ah oui, bien cool, 3 secondes d'avance, enfin 2 secondes. Comment apprécies-tu la gestion des dégâts sur les automobiles pendant les courses dans ce jeu? Elles sont bien, elles sont réalistes en fait. J'aime bien. T'as même là, vraiment la bonne notion des débris, c'est-à-dire que si t'as le débris qui glisse sous ton bas de caisse, ça peut causer problème. Voilà, ça peut devenir vraiment un débris gênant qui s'encase dans ton bas de caisse et qui te plante au niveau qui trouble en fait la physique, le fait que tu sois sur les quatre pneus, quoi. Non, non, franchement, la physique là, elle est très bien gérée dans Colin McRae, il n'y a rien à redire. Hein. Non, non, c'est absolument remarquable. Moi, tu me diras le sage. Pour l'instant, moi, je mets samedi pour l'idée à la zone. Ce week-end va être compliqué. C'est quand là que je change ma programmation. Alors, est-ce que tu une scène sera présent? Parce que je sais que tu es très attaché pour les Legends. Ouais, on verra. Je suis toujours là. Mais sinon, pour toi, pour ce samedi, c'est bon ou pas de base? Normalement, oui. Ça devrait aller jusqu'à 16h, quoi, j'aurais disponible. En fait, il n'y a que le dimanche, en fait, qui est absent, c'est ça? Bah, je serai plus disponible samedi à partir de 16h30. Retiens l'heure du goûter pour samedi, je crois que oui. Donc, à partir de samedi pour 16h30, je suis plus disponible. C'est ça. D'accord. Là, je vais m'enlever un live. C'est bien comme ça le dimanche que je pourrais faire tout ce que j'ai à faire. Et dis-toi, en gros, même pour la modération, je sais même pas si je pourrais surveiller peut-être, je sais pas. Je pars dans l'inconnu, mais mercredi, jeudi, vendredi, dis-toi, je suis pas. Je peux être entre guillemets présent, mais vraiment fantôme. Je peux rater des trucs sur 3 heures d'affilée, quoi. Je sais pas si je pourrais mettre le pif devant mon écran. Je pars dans l'avion. Après, c'est pas grave. Il y a toute une scène, et au pire, moi, je peux remodérer après. C'est pas comme si j'avais une invasion sur mes streams chaque semaine. C'est bien, en ce moment, il y a beaucoup d'invasions. Allez, il n'y a plus les pubs à l'ambiance. Ah bah cool, peut-être que du coup on va profiter que dimanche, peut-être qu'on profitera pour faire encore un test dimanche pour ceux qui sont en train de faire la journée entière. J'ai plus de empire à faire passer parce qu'il n'y a pas une nouvelle mise à tout. Allez, je vais lever la partie du dimanche, hop, hop, hop. 4 lives. Donc oui, Provost, tu sais par rapport au FPS, on a parlé sur GOG, c'est bon que tu m'entends, je te le ferai après, pas Shadow Warrior, parce que j'ai prévu ma liste comme ça, je te le ferai après Deus Ex, ou peut-être l'année prochaine, donc j'espère que tu es un peu patient, mais une fois... D'accord, pas de soucis, SG, il a dit qu'il va revenir en vocal pour faire le test. Quel dommage.
Fromos qui me dit, c'est pas trop handicapant sur les performances et le résultat des courses. Bah si, plus tu endommages ta bagnole, tu peux avoir la direction faussée qui est plus emmerdant, la boîte de vitesse qui répond plus et tu perds en temps de réponse, accélération. Tu peux bousiller tes pneus ou avoir la carrosserie qui touche et ou le sol ou tes pneus et tu perds en motricité et en, comment on appelle ça, en réponse. De la voiture, si c'est très bien foutu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là on t'entend bien, AJ. Ouais. Non, non, je ne t'entends okay, pas. C'est cool. Parce que j'ai les écouteurs maintenant, je commence à diminuer un peu. On va content de savoir que mon micro téléphone est pas trop mauvais. Honnêtement, ça change pas trop de d'habitude. Ouais, non, c'est bien, hein, je t'entends clairement. On n'entend pas de différence. Là. Bon, bah, c'est cool ça. Mince, on espérait qu'on ferait une autre voix. Hein. Bon, par contre, si je m'éloigne un peu, évidemment, vous allez moins m'entendre. Non. Attendez, je vais faire un test. Par contre, tu ne l'es pas dans ton calcul, on ne peut pas entendre ces bruits-là. Imagine, attends. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, on entend que ça fait lointain, mais on t'entend. D'accord. On évidemment, vous allez entendre tous les bruits alentour, par exemple ma chaise ou si je fais tomber des trucs. On t'entend, tu fais toujours mieux que Arnaud, mais ça peut te rassurer. Bon, ça va. Je pense dire que Arnaud, c'est le plus mauvais niveau en matière sonore. Ah, ouais. Avec Asylum, et par moment. Asylum, ça va encore. Alors, par moment, il est du niveau d'Arnaud. Hein. Ah, merde. Ah oui, patouille. Moi je suis d'avis patouille. Que pour les ventes tu joues avec des patounes. On va tous dire ouais il faut que jouer avec des patounes, sauf si tu es dans notre équipe. Là non. Ouais. Elle joue un jeu de course automobile avec des patounes. Le pire que j'ai eu, c'est quand Ulzen m'a dit de mettre les patounes quand... Alors ton raider, là, encore, ça va encore. C'était dans Hérétique. Une horreur. Ah ouais. Au clavier, juste une horreur. Tu sais, par exemple, tu veux appuyer sur... admettons, la lettre K. Genre t'appuies sur Z, W et M en même temps. Ouais bah oui, y'a de ça. Comme ça je peux me déplacer librement. Ouais ouais, on t'entend. Ouais. Par contre je vais crier et c'est pas super super agréable. Je m'étonne. J'ai pas le retour du stream, ça va être marrant. C'est particulier, on peut le dire. Oui. Ah, du coup, je suis cinquième. Bon. Mais j'engrange des points. Ça, c'est bon. Pas mal, mais tu peux mieux faire. Enfin, tu as quand même marqué des points. Ah oui, ça qui est bon, c'est les points marqués.
2 points pour déverrouiller le Rallycross. 2 points. Allez, j'essaie de gagner la course là. Concentration. Mais sur les... Ah ouais, il y a même un patch énorme sur les Worms qui carrément te donne le temps que tu mets une ligne. Tu sais combien de temps elle va mettre pour être une... Chaque ligne n'a pas exactement le même temps. Et moi, là, tout à l'heure, quand je prenais mon goûter qui s'est fait chier à calculer le temps que vous mettrez pour faire votre tour et que pour ça soit mon prochain tour, en gros, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai vraiment calculé très bien, très précisément le temps. Comme ça, je peux revenir au bon moment. Parce qu'à chaque fois, je revenais. Et à chaque fois, bah, c'était soit mon tour, soit le tour pour l'autre. Oui, t'avais bien le rythme. Ouais. Du coup, je courais entre la cuisine et mon ordi, c'était incroyable. Encore. Équipe par équipe, ça faisait plus de temps. Non, c'était, là c'était chacun pour soi. Ah, c'est pour soi. Ouais. Sur la map des fruits, je crois. Ah, dans le cas, il y a par quelques trucs que tu maîtrises mal parce que il est vite, sinon ça va, il se débrouille à peu près bien, il a fait des jeux. Il arrive à maîtriser le missile parce que lui, il part du principe que en fait, c'est la première partie du missile, par exemple, quand il va tout droit et pas quand le missile se déploie. En fait. Ouais, il a du mal avec le missile. Mais le coup de la mine, il a bien fait quand même. Ouais. Ben, il y a un moment, il a fait je sais pas quoi, mais la mine, il a fait un peu là. Non, mais des fois, tu fais n'importe quoi et tu peux arriver à un coup de mètre sans n'importe quoi. La magie du coup. Une scène aussi qui fait quelques coups sympathiques. Une scène. Oui, tout ce que je retiens, c'est qu'il m'a cherché, que je lui chapeau éliminé, et sinon. Mais oui, puis à chaque fois qu'il voulait frapper, enfin, je veux dire, son but c'était vraiment de faire des dégâts, s'il mourait, ils sont foutés. Ouais. Il s'en prenait à la mauvaise personne. Ah. Bon, en fait, si l'un d'entre nous ne touchait pas, il finissait par mourir lui-même, donc. Je pense que Bastos avec son travail, machin, le fait qu'il a vu qu'il fallait attendre, il allait se coucher assez tard par rapport au cas. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu Bastos. Ah, c'est pas grave, au moins on sait que le test ça marche. Justement, ce week-end le test n'est pas disponible, donc on a une semaine de plus pour le test, la semaine dernière et la semaine suivante. Donc je pense que dimanche prochain, vu que je vais pas faire du stream, on peut te faire encore un grand test grandeur nature tous ensemble. Comme ça il y a encore un peu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pourront pas venir en semaine. Bah moi je serai pas là mardi, c'est tout. Donc l'après-midi, je serai avec des potes en sortant. Et pour vendredi, c'est bon? Vendredi, c'est bon. Ah. Ok. Là, ça va, ça. J'espère que pour moi aussi, j'arriverai à être bien en forme pour faire du ski. Je suis en vacances, mon emploi du temps, je l'ai dans ma tête. C'est bien. C'est compliqué.
dites-moi dans le chat si je crie pas trop en fait. Parce que j'ai peur. Non, non, ça va. Bon, si ça va, ça va. Là, je suis en train de regarder une partie de Worms, les speedrunners. Comment ils font les missions en speed. Oui, parce qu'il y a même du speedrun sur Worms. Hein. Ouais, c'est bien. C'est tout simplement calculé au nombre de tours que tu peux pour qu'il soit valable. Et il y a encore plus précis maintenant, c'est calculer combien de temps tu mets pour valider les performances. Avant c'était sur le nombre de tours, mais quand ils ont vu que tous les joueurs ils arrivaient à mettre 2-3 tours pour faire les missions, ils ont dit on va rajouter aussi le temps qu'ils mettent pour faire des tours, comme ça pour voir s'ils améliorent ou pas. Mais j'aimerais bien faire des missions, j'ai jamais pu aller pour faire la dernière tour. Les missions c'est hard. J'ai fait un tonneau très original. Ah oui. Mais je d'ailleurs, je pense que quand on aura fini avec Armageddon et qu'on aurait un peu besoin de meubler mes missions, je pense que je ferai Worms 4 faire les missions parce que je trouve sympa, il y a un petit scénario et tout. Ah oui, Worms 4 Mayhem. Waouh. J'ai jamais fait la campagne entière malheureusement, mais je me souviens. Oh, t'inquiète pas, mon oncle. Je me souviens, c'est le professeur, je sais pas trop quoi, il se fait attaquer, du coup tu remontes le temps, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Entier aussi. Mais en fait, j'ai pas pu le terminer, pas parce que j'avais pas de temps. C'est parce que à l'époque, avant le Game Pass, parce qu'il y a quelques années avant, on va les citer, on va leur faire la pub. Orange, il faisait un truc où tu pouvais avoir les jeux vidéo gratuits, tu payais un abonnement. Et après, tu pouvais installer les jeux, en fait, comme le Game Pass. Il le faisait déjà bien avant. Et du coup, j'avais des jeux comme Worms et les 4 que j'avais eu. Ouais, je vais le tester. J'avais apprécié. Et du coup, quand on a perdu nos connexions Internet et qu'on s'est désabonné d'Orange, ben, j'avais plus le jeu automatiquement. Ouais, bah ouais. Je ne sais pas s'ils font toujours cette offre-là, Orange, mais c'était très sympa. Ils avaient inventé le Game Pass avant le Game Pass, d'ailleurs. Moi, j'en parle à Hello, et... Ouais. Il me semble qu'ils font quelque chose toujours du genre, mais je connais mal Orange. Je vais pas vous le cacher, je suis chez eux, mais j'ai pris aucune offre. J'ai juste pris la box Internet, genre la télé par Internet, et ensuite, bisous, quoi. Il y avait, mais je te parle ça, c'est... Quand j'utilisais l'offre, bah c'était à ta naissance, hein, en 2006. 2006 à 2010. Après, on les a quittés. Mais une histoire de facturation qu'avait fait mon père, mais soi-disant, ils ont dit qu'il n'y en avait pas. Enfin, bref. Ah, tu les as quittés, tu as divorcé avec eux, c'est ça? Ouais, mon père, il a divorcé avec eux. Il a dit, oui, je veux faire une facturation, mais je ne peux pas vous en faire. Un truc comme ça, il disait je vais pas vous payer deux fois, allez vous faire. Ouais. Et du coup, il y avait une offre, je crois que c'était 2020 balles, et tu pouvais sur PC avoir un catalogue de jeux vidéo. Et tu vois que maintenant il aura existé en dématérialité, s'il existe encore. Tu pouvais les mettre, je crois. Non, je pense que c'est déjà en démat. Oh là, t'as même le temps de la fameuse grenade. Il est énorme son pack, c'est tout bon. Et je vais le prendre. Je ne pourrais pas te dire lequel c'est. Je sais pas si c'est un mod ou un patch officiel. Si en plus t'avais un contenu des quêtes, mais il le fera sur le mode de mission, alors je sais pas si ça marche. Mais c'est juste la vue. Je trouve. Évidemment, avoir le capot qui s'ouvre et qui se met devant votre pare-brise en plein vol plané pour voir où vous atterrissez. Surprise, motherfucker! Le mode il est tellement abusé, Jake, tu vois même quand t'envoies une grenade qui monte en sa main, tu vois même le bazooka combien de temps il va mettre pour atterrir sur la suite.
Bon. Je ne sers strictement à rien. Oui. Mais je sais, ça te montre tous les chronos. Et le chrono du super mouton, il a. Bien sûr. Il tenait même combien de temps, mais nous, parce que. Ça change d'ambiance quand même, on passe de Vince Armageddon à Colin McRae Burt. Ça change d'ambiance. Ah, tout le monde est parti, c'est pour ça qu'un peu le sens. Ouais. Chaque fois j'atterris avec le capot ouvert, c'est énorme. Oh la vache, le mec qui perd la formule là, j'en serais pas capable. Putain. Il arrive à se propulser à l'autre opposé dans le tableau pour nous sauver. C'est ce qu'ils arrivent à faire. Moi je suis un débutant à côté sur la formule là. On va dire par là. Comparé à ce qu'ils font eux, moi je suis pas le meilleur dans la formule là. Oh putain, il a des mines, il utilise des parachutes pour pas se coller dessus. Je crois que c'était le dernier tour. Oh non! Oh, l'arrière cachassé à l'atterrissage. Quelle horreur. Ah si, d'accord, ouais, parce que en fait, c'est vrai que j'avais oublié parce que je l'ai pas fait souvent. Le bazooka, en fait, si tu le laisses trop longtemps en l'air, il explose de lui-même. C'est pour ça qu'il y a un temps sur le bazooka. Mais bon, ça change rien. De toute façon, tu peux pas le tuer sur sa direction. Elle est bonne l'herbe, ça. Ah là là, je broute, t'as pas idée. La bombe banane. C'est l'armée la plus dévastatrice. Les armes. C'est la grosse statue chèvre. Mais pas mal aussi. C'est pas une chèvre, c'était un donkey, un âne. Ah. Catastrophe cette course. C'était lamentable. Est-ce qu'ils disent c'était lamentable? Oh mon dieu. Mais je reconnais que ces courses c'était nimp. Le ralenti va être collector. Le rythme. Oui. In English. Oh là là, oh bah, c'était pas. C'est-à-dire que c'est pas ralenti. Tu dis un oui, ralenti alors que. Okay. Bah, je. Pas le bon état, t'as raison. Ça se percute, ça se rentre dedans. Ah non, mais à la fin, je suis complètement désolé. T'as déjà perdu une fois. C'est qu'à chaque tour, j'ai le capot qui sont devant le pare-brise et. Au gros saut, là, c'est un cauchemar. Et le sage, as-tu un avis sur un jeu récent de course? Il est sorti quoi? Surtout sur console, il est sorti avant sur PC. C'est Breakfast, je crois. Ah, Wakefest. Oui, le festival de la taupe froissée. Alors, j'ai vu quelques extraits, il a l'air d'être excellent. J'ai envie de te dire que c'est le Demolition Derby moderne, quoi. Blackout moderne. Tous ceux qui ont joué ont fait des retours positifs. Moi, j'ai pas la chance, malheureusement, de l'avoir pour le moment. Mais si à l'occasion que je l'ai pas cher et que j'ai des technologies pour y jouer, je le ferai probablement. Ouais, il a l'air complètement fun. Je crois que Hello l'a essayé. Il a plutôt apprécié.
Mais moi j'aime bien les démolitions d'Airbus. Je sais que j'avais un dans les 90 et c'était sympa. Burnout le... peut-être. C'était fou. Non, pas Burnout. C'était un sur PC, mais je pourrais pas dire le nom. Mais j'aime bien. Oh, j'ai la flemme. J'ai faim, mais j'ai pas envie de faire un manger. Le problème, c'est que... faudra que je mette d'accord moi-même. Oh, oh. Et ce qu'il arrive à faire, oh là là, c'est une maîtrise parfaite de la ninja. Moi j'ai une question. Est-ce que un jour, l'un de vous va faire en stream Prince of Persia? C'est pas prévu chez moi. Bah j'ai fait un petit peu le tout premier que tu peux faire sur navigateur en ligne. Ça me fait plaisir de voir JDG sur une montagne. Hommage. Une scène m'avait donné l'adresse pour le faire à chaud en ligne et j'ai joué 45 minutes, c'était en bouche-trou et ça lui faisait plaisir. Voilà, moi ça me rappelait la nostalgie de l'enfance parce que j'avais terminé le 1 et le 2. Par contre, j'avais acheté le Sable du Temps là qui est un des premiers en 3D. Je l'ai en version boîte, hein, je pourrais le ressortir. J'ai pas aimé les premières minutes de jeu, j'ai pas aimé. J'ai remballé au bout d'une demi-heure. Ah, d'accord, bah moi j'ai les 3 sur PS2. Alors le 3 il est difficile, j'ai jamais réussi à le terminer. Bah, c'est-à-dire que le gameplay faut bien le prendre en main parce que sinon tu te fais avoir facilement. C'est ça le problème. C'est qu'il est très vite difficile. Regarde ce que j'ai mis sur le chat. Fake fan. Oh là là. Le genre de fan fan. Le représentant. Puis moi j'ai mis Japon. C'est surtout les emotes. Ouais. Ah celle-là elle est bien. Bah d'accord. Ou t'as on t'a offert un abonnement. C'est rigolo d'être le modo. C'est pas mais. C'est Shaggy Tree, la situation. Il faut être amoureux de la femme qu'on aime. J'entends par là qu'il faut la courtiser, comme si jamais on ne l'avait jamais eu. Il faut la convaincre comme si elle était la femme d'un autre. Il faut se la prendre à soi-même. Bah écoute, je peux pas essayer, mais je te dirai. Il est bête. Excellent. Et le carton rouge, juste là. Carton rouge, je ne sais pas si on finit, mais voilà. JDG aveugle. Moi j'attends le David Boulogne. Allez, Italie, j'essaie de faire quelque chose de propre. Italia. Oh les Rital. C'est qui chantait la chanson Rital? Tu parles avec François? Peut-être. Ah, Dynasty Warriors 7. Il y a Ruby, Green Eclipse. Ah, c'est bien le sage, il a un abonnement chez JDG maintenant, le truc.
Moi j'ai plus d'abonnement mais. À part chez toi, Funcom, je crois. Ce serait indécent de demander au tag s'il l'a acheté ou s'il l'a offert. Non, je t'avouerai que je me le suis acheté pour une fois. Et juste pour plaisir d'entendre Fred dire merci de ça, je m'en sais. Déjà ma petite séquence de immortalisé, ça me fait plaisir. Pour 4 balles, voilà, c'est plaisir. J'avoue que voilà, quand un gars assez, ouais, assez connu en France dit ton pseudo, ça peut être sympa. Bah, c'est pas forcément le fait d'être connu, c'est le fait que tu l'apprécies. Moi j'ai presque tout autant de plaisir quand Aerostar le dit, tu vois, parce que j'apprécie beaucoup Aerostar. Et quand on le fait une phrase. Oui aussi, bah oui, mais nous on est. Maintenant on est presque comme cul et chemise là, on est tellement bon copain, on arrive à produire de belles choses en ligne toutes les semaines, ça n'a plus rien d'étonnant. Mais j'aime bien quand le sage, il dit merci Funfun. Fayo. J'aime bien quand Bastos il dit merci Funfun. J'aime bien quand les gens ils disent merci Funfun, ce sera tellement plus simple. Tu aimes bien quand Paige te dit merci ton fan alors que tu comprends rien à l'anglais. Thank you forever. Et j'aime bien quand on me dit merci quand on a perdu à cause de moi dans mon ventre. Ça c'est pour moi ça. Non, c'était en humour. Mais j'aime pas quand on me dit merci quand on s'est aperçu que j'ai triché au Monopoly. Il y a un jeu récemment que j'ai fait hors antenne que j'aime bien qu'un point and click humoristique qui s'appelle ce Dark Side Detective. À un moment il parle du Monopoly et j'ai pensé à toi, Funfun, évidemment. Ça m'a bien fait rire. Quand on parle du Monopoly et de Chuck Norris, il faut toujours penser à moi. Moi ça va être un RPG classique. Un jour les droits d'auteur deviennent de plus en plus compliqués qu'un jour on nous fera des droits d'auteur sur nos alertes ou sur nos emails. T'es capable de nous faire ça. Comment ça va? Je sais pas si c'est théoriquement possible. Non, d'un point de vue législatif, surtout quand tu peux en prouver la paternité, c'est-à-dire que c'est toi qui as généré cette œuvre, par défaut t'en as l'usufruit, sauf si toi délibérément tu le cèdes par contrat. Mais voilà, ça reste à toi. Et comme j'ai pas d'écouteur, vous avez pas d'écho quand vous parlez? Non. Sympa ça. Avec un Illuminati. Et moi je sais qui c'est le chef des Illuminati. Est-ce que j'ai le droit de le dire ou est-ce que demain je vais finir dans un placard? Bon, tant pis. Hein. Je prends des risques. Hein. Donc si demain vous ne me voyez plus. Même dans l'enregistrement du sexe, ce sera levé. La chef des Illuminati, c'est Minimati. Voilà, c'est dit. Je ne commenterai pas. Arrive au moins. Ah, l'Australie. Oh non, pas encore.
Ouais, si. Faut que j'essaie de marquer des points, il me manque 2 points pour avoir une nouvelle épreuve, donc c'est terrible, j'en suis navré, mais... Merde, non, transmission, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon ce que j'ai fait, pardon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça. C'est la référence de la publicité du loto. Loto à qui le tour. Mais je préférais des dés, c'était plus rigolo des dés avec les oies là. Voilà, j'avais un camarade en BTS qui aimait ça, et puis le cochon là, je sais plus quoi. Oh, il en était accro, mon dieu, il nous le faisait une fois par jour. C'est qui Dédé? Il faut que tu grattes. Ah mais il y a ma figure de cul, bah oui, Dio. Avec les 12 voix qui t'aident à expliquer, je crois. Non, parce que le premier jeu, il était encore en forme, Dédé, donc on disait que tu peux gagner 20 000 francs. Le seul avantage que m'a apporté l'euro, c'est que je me perds moins en argent. Parce que avec les francs, t'arrivais plus facilement à 10 000, 20 000, 50 000. Avec l'euro, tu vas plus dans la centaine, donc c'est plus facile. Alors t'allais plus sur les 1000 et les 10 000 avec les francs. Surtout quand je jouais aux anciens Monopoly en francs, moi je me perdais vite. Entre 2 parties aux 20 000, j'ai me perdu sur le nombre de billets à 10 000. Alors qu'entre 200 et 2000, l'euro a au moins 5 000 de coût. Parce que en fait, quand le Monopoly est arrivé en France, le cours du franc était... En plus, c'était dans les années 30, hein, donc l'après-guerre. C'est-à-dire que c'était l'ancien franc, c'est-à-dire le franc qui était avant que De Gaulle le repasse. Celui qui était très dévalué, après ils supprimaient, quand on est passé au nouveau franc, ils ont supprimé 2-0, mais en fait, ils ont pareil dans le Monopoly. Par rapport au Monopoly anglais, ils ont dit que la monnaie française elle est très faible face au dollar américain, ils ont rajouté 2-0 en plus sur toutes les cases sur le Monopoly anglais. Quand l'euro est arrivé, étant donné qu'il y a une, même encore aujourd'hui quasi une parité entre l'euro et le dollar, en gros, on arrive rare qu'on arrive à un euro pour 7 dollars ou 3 dollars, l'euro est terminé. Mais là, ils ont calqué sur la version américaine pour les billets, pour les européens. J'imagine celui qui veut faire une collection de Monopoly qui doit acheter, oh la vache, il doit avoir tous les éditions et tout ce qu'il y a. Il doit avoir une langue. Ah, il doit avoir une langue. Bah, moi, les... je trouve qu'on est pas mal. Ah, entre les anciennes, les éditions spéciales et tout. D'ailleurs, j'attends toujours un Monopoly chaque jour. C'est toujours pas arrivé. Bah moi j'ai un vieux Monopoly, il est même pas en euros je crois. Enfin je l'ai rendu, je sais plus. J'ai un Monopoly Star Wars. Non, pas Star Wars. J'ai un Monopoly DC Comics, j'ai un Monopoly Disney, j'ai quoi d'autre. J'ai Nintendo, j'ai Pokémon, voilà, on a plein. J'avais même un Monopoly Marvel. Il y a le Monopoly Lyon, mais je crois même qu'il y a le Monopoly Bordeaux. Je crois, ouais. Peut-être un jour le Monopoly Nantes. Peut-être un jour le Monopoly Rouen. Pourquoi pas. Ça me fait chier, la madame à la météo, elle parle jamais de la Normandie. Sur TF1. Ah, madame est venue des gars. Ouais, puis les autres aussi. Tania Silva, je sais pas. Oui, et Louis Baudin. Mais je sais pas, quand c'est Tania Silva, j'arrive pas à me concentrer sur la carte. Ah, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle met des vêtements qui t'éblouissent la gueule. Hein, et c'est tous ces vêtements, c'est fluo.
Je peux pas regarder la télé. Mais... Et puis elle avait fait ça en rebondi, tu vois que ça avec Daniel Silva, c'est ça le problème. Mais non. Non. C'est ça le truc. Le Cap Vert. Quoi, c'est. Il nous fera attention, c'est pas une fille. Ah ouais, ça me fait rire comme une fille des fois. Des fois, t'as des Miss Météo qui mettent leur chaîne, tout ça. Et du coup, il y en a, ils font des commentaires sur la beauté. Il y en a, ils disent, ouais, mais il faut demander la carte. Ah ouais, mais excuse-moi, la carte, elle date d'il y a 6 mois. On s'en fout du temps qu'il y a eu 6 mois en arrière, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va commenter? Bah, il y aura tout le. Hein, il y aura tout le physique ou dire, ah ouais. Ah, il y a un qui va un jour remarquer, oh putain, il y a 6 mois en arrière, il est pas tombé de la pluie, ils se sont trompés. Oh, je me souviens. Non, mais il y a un, ils sont sérieux, quoi. Ah, mais ouais. Une image furtive. J'aime bien quand c'est venu. Oh non. Oh. Monopoly Rouen. Ah si, il existe vraiment apparemment. Là, faut que je l'achète. Oh merde. Je l'achète. Le truc va coûter 200 balles, je vais avoir peur. Alors, dimanche 3 juillet 2022, vers 9h, samedi matin, 9h, 13h, Tomb Raider 4, samedi après-midi, 16h, 21h, Hérétique, chapitre 4, une plus Half-Life. Ouais, mais ça, c'est. Oh, Monopoly Nancy. Dimanche matin de 9h à midi, Final Fantasy 13, le dimanche après-midi de midi à 14h, Colin McRae Dirt, et dimanche l'après-midi, 14h-15h, compilation des clips, pause déjeuner, et ensuite de 15h à 20h, c'est Worms Armageddon plus Gartic Show. Mais 19h, il n'y a pas Worms, il y a un nouveau Colin McRae. Oh, okay. Et le chat du JDG. Là, Gartic Show, vous serez que 2 à jouer, alors je vous cache pas que je suis pas spécialement motivé, vous serez encore 4 à jouer là, ça va vraiment. Mais ça reviendra, vous en faites pas. Oh, je crois que vous m'en manquez plus tard ce soir, mais pas compliqué. Là, je vais demander à Microsoft Flight Simulator X. On peut voir ce que ça donnait les anciens Microsoft Flight Simulator. Mmh. Par exemple, le X qui est sorti en 2000. C'est quand même beaucoup de dégâts. Assez lourd comme jeu. Trop plus le dernier, il fait 77 gigas. Allez, c'est parti. Voilà. Non, mais t'as mal passé. Voilà. Une belle phrase. Voilà.
félicitations là, parce que vous êtes zéro spectateur à me regarder. Merci, vous êtes toujours aussi nombreux. Zéro pointé. Il y a marqué 8 sur Twitch. Même moi, j'arrête de me regarder. Le mec, il devient fou. Oh mon dieu. Pas ça dans les spectateurs. Merci à lui. Oui, bah ça lui fait une ambiance de fond tout en bossant dans les cartons. Je serais à sa place, je ferais pareil. Hein. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. C'est vrai qu'il avait marqué qu'il était dans les cartons. J'étais tellement à fond sur le jeu. Ah, il y a Monsieur Poupon qui est passé en début de stream. Merci à lui aussi. Ouais, ça fait plaisir d'avoir la visite de certains à différentes heures, presque à la suite. C'est même le cas d'ailleurs. C'est très agréable. J'aime bien quand j'ai plus le temps, on voit que je me fais rire. Ça te fout pour des blagues. Par contre, je sais pas si tu te souviens du cuistot qui était Tofino. Là, on trouvait en fait depuis chez Aerostar et chez Nounours plus de nouvelles depuis des semaines. Soit un message privé ou même par SMS, ceux qui avaient son 06. Donc on commence à s'inquiéter parce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Les boules, quoi. Je peux pas dire, après j'avais pas spécialement de lien avec lui à l'époque où il allait chez Pinochet. À part bonjour, au revoir, j'ai jamais de lien. D'affinité, ouais, t'as ton crochet. Tellement de mots. J'espère pour lui qu'il va bien parce que c'est un bon gars. On espère tous, mais là, ça commence à se faire peur parce qu'il n'y a vraiment aucun signe de vie, quel que soit le canal de communication. Après, n'oublions pas que Probos nous a fait ça pendant 5-6 mois. Donc. Peut-être qu'il était au champ. Qu'il a décidé comme Probos de faire une pause à Internet. Hein. Ouais, espérons que ce soit ça. J'irais pas jusqu'à dire que Probos ne va pas une signe de vie, parce que voilà, j'ai envoyé un message quelques fois sur Steam, il m'a répondu, donc voilà, il était là. Ouais. Il allait bien et tout. D'ailleurs, je ferai bientôt l'acquisition. Je ne sais pas encore trop, je verrai. Je vais essayer de donner priorité à la version PC, mais peut-être que je prendrai en 3 versions. C'est une eSport Speed Carbon. J'adorerais que c'est une eSport. Il faudra que je regarde en premier par tes liens et j'ai tout ce qu'il y a pour voir si il marche. Même si je prendrai la version PS3. Je sais que le jeu existe même sur version PS2. Donc peut-être un jour je ferai la version PC, PS3 et PS2. J'en serai capable. Mais non, je peux bien écrire la PS2, c'est un truc du genre FIFA 14 ou je ne sais pas. Ouais, c'est ça, son dernier FIFA 14. Mais avec une carte, sinon ils ne vont pas aller jusqu'au. Je pense que c'est même le dernier sportif du fond de la PS2. Parce que Carbone, je n'ai jamais terminé. Oui, il y a des jeux que j'adorerais faire, ce sont les jeux de Telltale, qui sont vraiment des histoires en gros où tu dois faire tes choix, un peu comme des fois comme Human, mais avec un petit peu moins de gameplay. Mais excuse-moi de paraître une soupe. Il y a Bastos qui a répondu, veuillez m'excuser pour mon absence, je voulais vraiment venir, mais j'étais pris dans un enchaînement de galères. Bah, espérons que tu arrives à résoudre tes galères, c'est le plus important, mon pauvre Bastos. Mais c'est pas grave, ça se refera. T'inquiète pas, on le fait dans 2 semaines, le stream, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, tu avais déjà fait un essai avec nous, c'est suffisant. Donc...
Ouais, on aura encore au cours de cette semaine l'occasion de tester. Et voilà. De toute façon, maintenant on a un joueur de plus, donc il y aura un joueur qui pourra rester sur le carreau pendant un certain temps. Donc... Alors, attention concernant mon antenne, j'aimerais me lancer avec Olive dans Stardew Valley, mais le bon plan, c'est que théoriquement, pour le moment, ça tient. La dernière semaine de juillet, je devrais diffuser toute la semaine sur Twitch, parce que je serai en repos. Mais bon, par rapport à Dragon Sky, il a dit vraiment qu'il avait que le week-end du dispo, donc... Je pense que c'est pareil pour une scène, que le week-end du dispo, quand je dis ça. Je suis pas sa secrétaire ou son agenda. Après, une scène, à la base, pour moi, je le considère un peu comme le remplaçant, parce que comme il est arrivé en dernier, Chut. Tous ceux qui ont le jeu de façon légale, illégale ou offert, comme on dit. Donc voilà, donc il donc, y aura de toute façon, bon, s'il y a un joueur qui manque, c'est pas grave, si il est là, il le remplacera. Mais, si au pire tout le monde est là, ben, on fera une partie ensemble, il y en a, et on tournera, il y en a un qui sera au repos. De toute façon, vu qu'on a des emplois du temps un peu comme ça, qu'on peut parler toutes les heures, c'est bien aussi. Mais officiellement, le remplaçant, c'est une scène. Et le numéro 12 rentre à la place du numéro 8. C'est ça. Si j'avais tué une scène, je ne sais pas ce que c'est le stade là. Je suis penché parce que j'essaye de trouver une autre concentration de rallye. Donc je sais que l'image est traître au niveau de la webcam et je suis de la merde. Donc je vais revenir en position normale et je vais redémarrer. Stardew Valley quoi? Attends, je suis troublé. Troublé dans les menus. Excellent jeu qu'il faut que je termine vu sa durabilité. Ah! Ah, il y a un problème, quoi. 40, gauche 4. 80. Serre droite sur crête vers gauche 5. 40, droite 4, 40, droite 1. 40, gauche 4 et crête et gauche 4. 40, gauche 4 et le droit 4. Au Danemark et à Copenhague, on ne peut pas parler d'eux. Plusieurs personnes ont été victimes de coups de feu dans un centre commercial. Un suspect a été arrêté par les forces de l'ordre. Voilà. Bon, moi je suis content sur Nancy, là il y a une nouvelle exhibition pas plus tard que ce week-end de Urban Loop, les ingénieurs de ma ville qui bossent dessus depuis plusieurs années. C'est un futur transport urbain. D'accord. Ouais. Tapez Urban Loop Nancy. D'accord, d'accord. Gauche 5. 40, gauche 6 et gauche 5.
D'ailleurs, c'est vrai que pour les 25 ans du jeu, Team 17 avait fait une mise à jour. Il y a Bastos qui dit Strand Valley, excellent jeu, il faut que je le termine juste à durabilité. Ah, il marche pas le coup de voir le coup de voir. Il est mort. Gauche 5 et gauche 3. Parce que le coup va disparaître. 60, droite 4. Donc, il est. Avec un autre qui m'a mis gauche 9. Oh, il est tout là. Il est mal. J'ai perdu tout ton avance. Ah, je voulais bien m'arrêter, mais pas m'encastrer. C'est rageant. J'étais dans le rythme. Bon, si on parle de catch plus précisément, dans le sens où les femmes, comme d'habitude, font toujours la même chose. Même il y a Bastos. Ah non, il y a Bastos. Attends, je sais pas. Je sais plus si tu as dit s'il a vu les résultats ou pas. Je crois que tu as dit. Mais je veux pas spoiler pour être sûr que. Parce que là où je parle, c'est la partie où Bastos est justement pas là. Je ne veux pas. Je crois qu'il m'avait dit en début de stream qu'il les avait vus, mais je suis pas sûr. Enfin, des compagnies vus. Ou il m'a dit en même temps, je crois. Hein. Je sais que j'ai déjà posé la question. Ah bah j'ai plus de bagnole. D'ailleurs, il y a une ville en Allemagne, je crois c'est l'Allemagne, qui s'appelle Worms. Ouais. Ah possible, oui. Je vais taper Worms ville. Worms est anciennement Vorwantin ou Worms avec un V en français est une ville et un arrondissement d'Allemagne situé dans le land de Rhein-Rémy-Pétinen, la rive gauche du Rhin et le sud-ouest du pays. Worms est connu comme Nenderling, là où je suis là, et Lüttenheim, ainsi que pour son don cathédrale. Elle est une des trois. Quoi avec celle de Mayence, de Spire pour les Juifs, Worms, il y a aujourd'hui la ville et un centre industriel, bon, on sort. Oh là là, elle a eu plusieurs noms. Hein. Au début, elle appartenait au déchu de Franconie. Après, elle a parti au Saint-Empire allemand, germanique,
la République, je sais pas quoi, italienne, après ça a appartenu à la République française et puis à l'Empire français, au Grand-Duché de Hesse, à l'Empire allemand, la République de Weimar, on va dire l'Allemagne du Reich, voilà, hein, pas de... l'Allemagne de l'Ouest, après ça a appartenu à l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne occupée, et puis l'Allemagne tout court. Cette ville, elle a connu. Et puis maintenant, elle appartient aux Anglais, parce que c'est la ville de Worms. Donc on parlait de l'esprit et là je suis assez déçu en fait. Alors je suis très content, tu vois, que Liv ait récupéré la NUD. En plus, c'est ce que je disais à Pastot, je disais qu'elle récupérerait. Mais là où je suis déçu, c'est que comme d'habitude chez les femmes, leur temps de conservation de la mallette, est-ce qu'il faut, à part Carmela qui l'a gardée presque un an, mais elle l'a utilisé le soir même, et c'est dommage en fait que parfois les femmes ne gardent pas très longtemps de leur contrat. Elles l'utilisent dessus dans la soirée ou le lendemain. Mais le truc, c'est que c'est le but, c'est le concept du Money in the Bank. C'est le but, c'est pas de la conserver plus longtemps, c'est vraiment d'utiliser dès que t'en as l'occasion. Mais oui, tout à fait, mais là, voilà, j'aimerais bien quand même qu'on ait des femmes, des nanas qui gardent un peu leur temps dans l'univers. Surtout que stratégiquement, Liv, elle fait pas trop le poids contre Ronald Rouge. Donc moi, stratégiquement, j'aurais attendu que Ronda soit battue par une autre en premier sport pour lui faire le coup des milliers. Maintenant elle va avoir Ronda comme challenger, ça va pas être simple. Alors ça peut peut-être se transformer en triple fête avec Carmela, mais non, c'est pas Carmela, c'est celle qui a perdu la triple fête. Je sais plus non plus, j'ai vraiment survolé le résultat. Donc on verra si cette histoire elle se transforme en... Mais voilà, je veux dire, avoir Liv Morgan, je veux dire, elle fait pas le poids, enfin on va voir ce qu'elle va... On a la... Natalia. Merci. Donc ça peut être un triple fait entre Ronda, Natalia et Liv. À voir. Merci, mais ça, je ne sais pas que vous connaissiez les cas. Non, mais le problème, ce que j'ai vraiment peur d'un truc, c'est que Vince fasse son débile, son concon, et qu'il donne la victoire à Ronda Rousey juste parce que connu. Logiquement, une revanche entre les deux sur Ronda qui est permise. Il n'y a pas trop de gloire, même si elle avait fait un match derrière lui, il n'y a pas trop de gloire, ça lui vient, elle est enfin du Money in the Bank, complètement, mais voilà. Mais moi j'aimerais bien qu'on ait cet effet vraiment d'opportunisme, un moment où on ne t'y attend pas. Là, vous ne t'y attendez pas, mais quand même, tu as utilisé la même soirée. Voilà, c'est un peu dommage, j'aimerais avoir une nana qui garde la mallette un mois ou deux mois, un peu plus. Sinon ça sert à rien de faire des mallettes si c'est pour qu'elles soient utilisées le soir même. Mais bon, sinon le content du résultat, qu'elle ait gagné la mallette et qu'elle ait utilisé, et quand même rentabilisé son catching. Sinon le match était intéressant. Alors par contre, un match qui a duré trop longtemps, c'était les Uso contre les Street Profits. Le match était bon, mais trop long, 22 minutes. On se demandait s'il y aurait une fin, quoi. Mais c'était un bon match dans l'ensemble, franchement.
Mais j'avoue que à ce moment-là du match, j'avais les yeux, ils se fermaient, j'arrivais plus à tenir, quoi, parce que mon museau, finissait avec tout ça. Et après, quand le bonnet... Je veux dire que les Housseaux, ils font toujours la même chose. Ils savent plus inventer des trucs. Ouais, mais les sucres aussi, ont vraiment fait un beau truc. Et après, bah, alors là, quand tu vois dans le Money is the Bank que tu as... théorie qui arrive et qui est annoncée par Adam Pearce et qui dit à la demande de monsieur Vince McMahon. Mais Bastos, on l'a pas vu venir, ça, on aurait dû le lire, c'était logique. C'est pour ça qu'il a perdu son titre contre Bobby Lashley, parce que ils allaient le mettre dans le Money is the Bank. Mais on l'a pas vu avec Bastos, notre fatigue sûrement, mais c'était très difficile quand on est la vidéo. Et quand j'ai vu, moi, le soir, j'ai fait. Ah, c'est bon, Austin va gagner. Surtout qu'à la fin, Riddle, quand il s'est retrouvé en duel contre Bobby, j'ai cru que Riddle, il n'a pas été intelligent sur le coup. Il aurait dû prendre, je crois que c'est le Miz qui a fait ça, vous me rectifiez, qui avait pris la mallette et qui avait mis un coup de mallette pour faire tomber l'autre, au lieu de lui donner des coups de poing. Et bien, il aurait dû faire ça, il pouvait gagner Riddle. Mais non. Il a préféré essayer de récupérer, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Du coup, il en a profité aussi. Bah, c'est surtout que Riddle était celui qui méritait le plus de gagner la mallette. Par contre, il y a eu un beau duel, et d'ailleurs, j'ai cru que c'était un des deux qui allait gagner entre Sheamus et Drew McIntyre. Ah, ils se sont envoyés des échelles, ils se sont mis même l'échelle au cul. Il y a même un moment, je suis impressionné parce que vous avez Drew McIntyre qui est tout en haut, ou l'inverse, je sais plus, parce que. Mais arrête de créer des matchs d'idées ou non, mais surtout il y a encore un participant, les stars théoriques, ça se oui, pareil, effectivement, tu as raison, Bastos, quand on a eu pareil pour l'élimination Chamber, c'était pas pour les idées, ils ont rajouté les stars et bizarrement, le dernier participant qui sera lui qui gagne. C'est fou ça. Non, là il parle, je crois, du Money in the Bank 2019, il me semble. Où Mustafa Ali montait sur l'échelle, était à deux doigts de récupérer la mallette, et là Lesnar arrive de nulle part pour prendre la mallette à sa place. Oh, et je me suis dit dans le bordel, mais le temps que Lesnar arrive, Ali il aurait pu prendre la mallette. Mais non, parce que il voulait se barrer tout simplement. Ali veut se barrer de WWE depuis pas mal d'années maintenant, mais WWE ne veut pas le laisser partir. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc pour revenir à ce qui s'est passé ce soir, hein, donc théorie qui... Oui, je disais, il y a un moment où j'ai été impressionné. Donc tu as Drew McIntyre ou Sheamus, hein, je ne sais plus hein, sur le moment, qui est au-dessus et qui va récupérer la NIB. Donc vous avez l'autre qui est en dessous de l'échelle. Et il arrive à pousser l'échelle pour empêcher l'autre de récupérer, faire basculer l'échelle. Ah, j'étais impressionné par ce micro que je connaissais pas. Il était coincé. Je sais pas si j'explique bien ce que... Je pense que c'est déjà fait, mais c'est assez rare. Je crois que c'est rare. Mais je crois que c'était il y a pas mal d'années. Du coup. Par contre, le boulet qui servait à rien et que j'espère qu'un jour il va être rapidement viré la vidéo parce qu'il ne pas se faire cher, c'est trop moche. Homos, il a juste été là pour que tout le monde lui jette plein d'échelles. Alors oui, c'était impressionnant quand tout le monde s'est... Alors, par contre, ça c'était sympa. Ils ont vu que lui jeter plein d'échelles, ça sert à rien. Donc tout le monde a pris Homos, tout le monde l'a jeté sur la table des commentateurs. Ils sont tous en coalition. Mais voilà, vraiment, Homos, c'est un capture que je n'aime pas. Il casse les rythmes, il fait 2-3 prises, et puis c'est le nouveau radicalisme depuis quelques années. J'espère que ce capture va rapidement dégager parce que je vois pas d'avenir pour lui. Il est juste utile pour des Royal Rumble, c'est tout parce que peu de outils. Est-ce que c'est grand pack et tout, il est lent, quand il joue, je suis presque je dormais quoi. C'est lui qui l'avait là. Et Jay, je sais que je dois aller manger à tout. Un bon appétit. Bon appétit et Jay, à plus. Mon catch. Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents ou même volontaires? Non mais c'est une blague. Oh
me suis fait encastrer par le bas de caisse, pardon. Tirage de maillot, mais au niveau du front, c'est-à-dire que un catcheur s'est retrouvé littéralement défranqué. Ça s'est déjà produit l'incident ou quoi? Oui, ça arrive de temps en temps, oui. Ah ouais! C'est même arrivé à Edge Style qui s'est fait un trou, vous le voyez plus les têtes, oui, c'est arrivé. C'est même arrivé à certaines catcheuses de l'hypermorphique. Ah d'accord. Des fois scénarisé ou non scénarisé, c'est une problématique quand c'est pas scénarisé. C'est des fois arrivé même une fois et il y avait le catcheur Batista qui était pas en train de et tu le vois et il y a un fan qui passe devant, il fait tiens mais les pouces et tu vois la sécurité qui le poursuit. Oh merde. Alors, mais je crois que là, vu que c'est dans les coulisses, c'était scénarisé par la WWE. Mais des fois, c'est arrivé un vrai match entre Edge et Undertaker. Il me semble que c'était à SummerSlam, parce qu'il y a un USL entre les deux hommes, où il était venu un fan pendant le match. Et tu vois que la sécurité le fait dégager. Ouais, c'est arrivé. Même il est arrivé un match de Raw où ils ont fait le catch avec une coupure de courant. Les plus courants, les catcheurs et les catcheuses, ils ont quand même assuré le show. Même si c'était plus compliqué pour la sécurité. Ah ouais? En 2006, il y a des plus. Enfin, Edge qui. Pardon, Matos qui dit, il s'est pas détruité, il a craqué tout simplement. Ah bon. Donc d'ailleurs, des fois, il y en a qui s'amusent à faire des mauvaises captures parce que selon comment ils doivent se toucher, des fois ils mettent un peu les mêmes baladeuses. À des endroits où il faut pas, donc on dit aïe. Ça s'amuse à faire, si tu connais rien au catch, ça s'amuse à faire des messages. C'est l'artiste comme ça qui est un peu. Oui, il est arrivé des un petit peu quelques fesses, quelques trucs comme ça, comme ça. Non mais. Le pire c'est pour les nanas parce que selon les prises qu'elles font, si elles passent à côté, c'est une barre, c'est pas le sein qui est fort, des trucs comme ça. Pour elles c'est plus compliqué que pour les hommes qui sont eux toujours fort tenus. Mais il y a eu des incidents beaucoup plus graves comme des catcheurs qui sont morts en direct. Ouais, à Over on the Edge de 1998, Catcher Owen Hart qui est mort. Ils ont eu de la chance, à l'époque ça s'appelait encore WWF, ils ont eu de la chance que le catcher, enfin la chance, il n'est pas mort en direct, pas sous la caméra. C'est pendant son entrée, c'était hors scène. Les deux commentateurs qui disent « Ah, on n'a pas pu envoyer les médecins, il est décédé ». D'ailleurs, ça a été reproché à la WWF, ils ont quand même continué le show. Le gars est mort, continuons pas jusqu'au bout. Ça avait choqué, ça choque encore aujourd'hui. Après, le problème, c'est que des fois, tu sais pas si c'est réel, si c'est pas réel. Ouais, faut que ce soit scénarisé. Par exemple, on a eu le président de la WWE, McMahon, qui rentre dans une bagnole et on voit que la voiture a explosé. Donc, ils ont fait pendant des semaines, ils ont fait croire à sa mort. Et l'angle, il s'est arrêté ironiquement à cause d'une des morts terribles, c'est la mort de tout le mois. Alors lui, carrément, il s'est suicidé et il a fait mourir sa famille avec lui. C'est deux ans. Je me souviens, tu m'avais expliqué, c'était... Et il y avait un angle justement juste avant où le président s'était fait une mort. Donc du coup le président il a dû revenir et interrompre cet angle pour rendre hommage à ce catcheur qui d'ailleurs à partir du lendemain la WWE l'a blacklisté parce que sous le coup d'émotion ils avaient réalisé la vie n'était pas bien. Et d'ailleurs qui est l'appel vol de mort parce que aujourd'hui personne ne fait plus référence à ce catcheur. Toutes les archives, toutes les statistiques, tout a été fait pour qu'il soit oublié. Voldemort, pour ceux qui n'auraient pas la référence,
c'est celui qui nous vient de dire le nom, là, Harry Potter. Ouais. Même moi qui aime pas Harry Potter, je connais la référence. Ou Harry Potter, comme l'appelle JDG. Du coup, je reviens un peu plus vers toi par rapport au catch. Là, je repense à ton anniversaire, ta chaîne, etc. Mais du coup, t'as pas fait ton quiz kit, ton questionnaire. T'as renoncé ? Pardon. Oh non, il est juste en attente. Là, avec tous les projets qu'on fait, j'ai plus trop le temps, mais j'en ferai un. Et je pense que je ferai même gagner mon Game Pass que j'ai. Wow! Ça va pas plaire à Hello. J'ai le retard le moment où je dois lui annoncer ça. Parce que le problème du Game Pass, c'est qu'il faudrait que j'achète un autre disque dur SSD pour mettre les jeux, etc. Et ça m'obligera à le garder pendant longtemps. Et franchement, je suis pas trop fan moi des offres Game Pass et même l'offre de Sony, je reste à l'essentiel. Et je préfère en vrai le faire gagner sur la chaîne. Ouais, tu sais que quand je vais l'annoncer à Hello, il va m'engueuler pendant un certain temps. Mais j'ai décidé que ce serait comme ça. Même si c'est une personne qui finit premier, qui n'est pas de la chaîne. Hein, c'est... Mais bon, normalement, comme ce sera un quiz sur l'histoire de la chaîne, à moins qu'il ait que du pire. Bon, après, si la personne, elle me dit qu'elle a pas d'Xbox ou pas un PC puissant, dans ces cas-là, et qu'il le veut pas, ce sera pour le deuxième. Si le deuxième veut pas, ce sera pour le troisième, etc. Jusqu'à qu'il y en a un qui mord à l'hameçon. Si personne veut mordre à l'hameçon, ben... Ce serait mon cas, hein, parce que tu vois, j'ai pas un PC puissant et je suis PlayStation, alors... Ben, ce sera pour le deuxième. Oui, voilà, c'est ça. Pour revenir sur le catch, mais toujours en lien avec toi et ta chaîne, le catch scénarisé, là, quand même on avait eu le plaisir d'avoir Christella qui participait en voix de doublage. Du nouveau ? Bah là, tout simplement, j'ai pas le temps, quoi. Ouais. J'ai pas le temps, j'ai pas encore l'envie de m'y remettre pour avoir... Mais je pense que vraiment, quand je le referai, c'est quand je referai les campagnes de ce jeu que je me hyperai. Qu'après, il faut allumer la PS3, il faut la mettre. Bon, c'est vrai, c'était pas encore la bonne saison, parce que comme c'est l'été, il faut éviter les surchauffes de l'électronique. On veut garder ça à l'hiver, que ça te fasse office de chauffage la con. J'attends voilà, quand j'aurai l'envie, l'imagination pour faire un truc bien fait, plutôt que faire un truc à l'arrache. Parce que c'est facile d'avoir un scénario point A, c'est facile d'avoir le point Z, mais il faut mieux bien entre le A et le Z pour arriver à quelque chose de cohérent. Et surtout que maintenant je dois penser à d'autres paramètres, par exemple. S'il y a Christella par rapport à la version 1, je dois donner un rôle plus important aux femmes, par exemple, pour qu'elle ait plus de dialogue. Donc ça complique les choses maintenant. Parce que quand je le faisais tout seul dans mon coin, pensant qu'un jour, par hasard, j'arriverais à le streamer. Mais là, le fait de le faire dans une condition où tu sais qu'automatiquement il va être streamé, il faut penser à tous les autres paramètres qu'il y a au milieu. Utiliserait un bon correcteur d'orthographe, promis. Oui, ouais. Mais je me souviens de ça aussi. Mais c'est bien. C'était compréhensible, c'est rigolo. Donc ça, je ne sais pas. Il y en aura un peut-être un autre cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Il n'y a pas de vraiment. Pas facile d'être scénariste. Oui, ouais. Je pense bien. Mais comme je dis toujours. Voilà, il faut que ce soit le plaisir avant tout, ne pas faire ça de manière frustrée. Oui, j'ai dévoyé une nouvelle épreuve du rallycross, on y fonce, youpi. Comme il peut ne pas avoir de suite, hein. C'est possible. Ah, j'ai pas la tutu. Ce que j'ai fait sur Twinset pour me moquer sur ton chat. Petite Peugeot. Peugeot 206.
que c'est sympa. Oh oui! La mythique Shell et les collectors, je m'en fous, je claque 26 000 euros rien que pour les décalcomanies. Ouais, t'as pas d'icône de purée? Oui, oh, ça viendra. Donc vous aurez remarqué que j'ai subtilement reculé d'une heure le tableau mystère. On est passé de 19h45 à 20h45. Et ce qui me fait marrer, c'est que j'ai vu subtilement dans mon écran de contrôle, il y a Monsieur Poupon qui discrètement est venu passer il y a tout à l'heure. Et puis quand il a vu que c'était finalement pas le tableau mystère qui s'est reporté à une heure, je sais pas s'il reviendra dans une heure, mais j'ai l'impression que discrètement il attend juste le tableau mystère, ça lui plaît beaucoup. Ou alors c'est un étrange concours de circonstances, mais je l'ai vu et ça me fait sourire. Bonjour Monsieur Poupon. Ouais, mais Twinsen, sur le tableau mystère, il n'y a pas de vrai duel, alors c'est pas un duel entre toi et moi, c'est pas pareil. Mais oui, c'est ça, tu peux dire. En parlant, je suis ça. Moi, je suis pas comme toi, hein. J'ai pas passé 10 ans de plus sur les jeux vidéo, moi. Tu vas voir, on parle des vies. En fait, c'est Colin, mais c'est Macré en fait. Du coup, le film se termine un peu avant 21h, c'est ça. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois mes phares. Oh merde! Ah oui? Dans cette vue-là, c'est inquiétant. Il n'a pas dit. Désolé, j'ai mis mon profil. Ce samedi après-midi, tu es là, Tim Pen? Ou pas, on continue le midi? Mais bon. Après, peut-être que. Si tu nous aides à plus de disponibilité le dimanche, peut-être qu'on fera le ND le dimanche. Toi, tu seras là. Et... Après, quand on aura terminé le ND, on le passera le samedi. C'est ma truc. Ce serait peut-être plus simple. Ouais. Moi, ça change rien. Du coup, il y avait trop PC du micro samedi. De toute façon, il y a des gens qui s'emportent plus rétro que mes rétro PC. Mes rétro jeux. J'en parle avec une vie de 7 jours. Ouais. Moi, j'ai une voiture qui fait un peu de sèche-cheveux et je fais non, tout cas ça. Je suis mort de rire en fait dans ce que je fais. Je me prends pas au sérieux là. Je me tape un bon délire, désolé. Bon, de toute façon, je t'ai posé la question en équipe, une fois. Je vais la refaire, mais je me suis bien marré. J'ai fait n'importe quoi. Allez, on va recommencer. C'était drôle. Elle est belle, la Peugeot. Modèle historique, là. Très bien. Ouais,
Bon, c'est bon pour l'après-midi, parce que tu es une peine, juste qu'il ne sera pas disponible le soir. C'est mal. Mmh. Ça, ça va, on va pouvoir faire le jeu avec lui. Merci. Merde, j'ai complètement regardé mon freinage. Je me suis trouvé un slogan. Je suis le. J'ai dit que j'étais le premier écolo recycleur de stream de Twitch. Parce que j'arrive à vous refaire les mêmes streams d'année en même. Non, parce que Worms, je l'avais déjà fait il y a à peu près 2 ans, mais contre les IA, là, j'arrive à vous le refaire tous ensemble. Mmh. Deux fois par mois, je le refais chaque année. Mmh. Mais... C'est à moi que tu dis ça, Tulsen. Non, je peux pas me rapprocher. Bon, je peux monter un petit peu le niveau du micro, mais ça s'arrête là. Voilà. Je peux pas faire mieux, hein. Si tu m'entends pas, je demande que ça, j'ai des soucis de vie, c'est pas... Ou de monter mon micro. Donc ouais, je disais, je suis éco-recycleur, les WAMP, j'arrive à les refaire. Le Duke, je vais vous le faire en plusieurs fois. Enfin, le carbone, je vais vous le faire en plusieurs fois. Le Resident Evil 5 en plusieurs fois. Enfin, je suis un bon recycleur. Hein. J'ai baissé le volume de captation de ma console. On t'entendra mieux. Quoi, ouais, il est bien Duke. Un jour je te ferai la version PC. Hein. Enfin, tu vas être content. Je te promets, je terminerai par la version PC. Ça te va? Donc, on fera la version PS1, Saturn, 64. Et si je peux, même la version Mega Drive. Il faudra que je trouve des fournisseurs brésiliens, mais ça devrait le faire. Hein. Ah, que des FPS à la manette. Qu'est-ce que ça fait, Dodo? Mais je dois faire un jour aussi le premier Doom hein, sur FPS1, il est cool. Mais là, tu peux pas me dire, eh, nia, manette, bidule, parce que là, Doom 93, il n'y avait pas la souris. Donc tu joues au clavier ou à la manette, c'est pareil. Hein. Enfin, je te dirai ça, mais je pense que ce sera pareil. Et donc je disais Twinsen que tu m'as dit qu'il n'y a que le soir que tu n'es pas disponible, mais le soir c'est pas grave puisqu'il y a Fort Boyard. Donc c'est l'après-midi que tu seras disponible, c'est bon, on pourra continuer. Voilà. Et si je galère, tu prendras Team Beaver. Voilà. Et puis comme ça, le sèche, ça... Ça te laisse une semaine de plus pour avoir des informations, c'est bien. Oui. Au pire, pour anticiper le prochain épisode, ou au pire, pour rien faire pour cet épisode. Bah, après, j'anticiperai la suite, c'est-à-dire que tu veux nous faire Siberia. Oui. Mais avant, je ferai. Avant de faire Siberia, parce qu'après, quand on commence Siberia, tu vois, c'est comme Runaway, tu vois, on les enchaîne, il n'y aura pas d'autres jeux, et donc je veux faire quelques jeux intermédiaires. Donc ce sera Woodroff et. Mmh. Ah, tu sais pas à quelle heure tu devras partir. Bah, nous, on le fera entre 13h et 16h, je pense que c'est bon. Bon, si t'es pas sûr, bah, on fera autre chose dans ces cas-là. Ça dépend. Et on éventuellement Twinsen, si ça peut t'arranger, on le fera le dimanche. Si t'as plus de disponibilité le dimanche que le samedi. Bon, pas ce dimanche là, mais voilà. Ah, on essaie quand même de s'arranger. Mais avant, ce que je voudrais faire, c'est Prof et le professeur Azim avant de faire Siberia. D'accord.
Mais t'auras besoin de moi du coup? Bah oui, forcément, je voudrais au moins que je mette des anecdotes à défaut de te guider. Me guider un petit peu. Mais le premier ou le deuxième stream, ça là, bah, tu nous diras comme ça. Le premier stream, ça devrait aller parce que Woodroff et le professeur de la limite, c'est mon premier jeu d'aventure. Je l'ai terminé qu'une seule fois. Donc je n'ai pas. Il m'a marqué. Mais par contre, il y a des moments où il y a pas mal de dialogues. C'est un peu comme un Runaway. Donc, voilà. Je sais. Pour Twin Sense, je devrais faire les trois autres jeux avant qui s'appellent Goblin ou je sais pas trop quoi. Mais bon, Goblin, en fait, ça a des références, effectivement, je pense à Woodroff, mais ça partage que la direction artistique, le gameplay, mais c'est des histoires différentes. Pas grave, en fait. C'est un spin-off, en quelque sorte. Mais Woodroff est un jeu d'aventure intéressant. Ah bon, je pensais que c'était Fun Fan à la recherche de la poupée perdue. Mais il n'y a qu'un seul défaut que j'ai dans Woodroff, c'est que j'ai pas les bruits de pas du héros, je les entends pas. Je sais pas pourquoi. Il faudra qu'on voit avec une scène s'il peut me mettre. S'il peut me le mettre sur le moteur. Oula. L'IA est mal développé quand même. Sur le moteur maison de LucasArts, il paraît que c'est possible de le mettre. Alors, pas le simulateur, ou je crois qu'il s'appelle Scrubs, ouais, l'émulateur de Point and Click. Ouais. Ouais. Bah, je commence parce que j'ai été victime de pas mal de bâches. Ah, purée, pourquoi j'ai une poupée? Purée perdue. Ah bon, c'est pas le moteur LucasArts? Je sais pas pourquoi je me dis que c'est leur moteur à eux. Différemment et je vais me concentrer. Je peux la gagner. Ah voilà, le moteur s'appelle Scream, mais Scream VM n'a rien à voir. Ok, VM comme Virtual Machine. Ah, d'accord, d'accord. Merci de cette précision. Ça marche comme Deathbox. Ça émule un vieux système. D'accord, merci. Je comprenais pas, maintenant je comprends mieux. Est-ce que Woodroff il est reconnu? C'est un Cicera ou c'est un Collectivision? Alors il n'est pas Collectivision. Ah, il n'est pas dans Collectivision. Bah, il faudra essayer. Dark Woodroff, je ne suis pas dans le truc. Je reviens.
t'es sur le pognon. Dur. Ça permet de lancer pas mal de vieux jeux, principalement point and click ou le scan virtual machine. The aim. Et ouais, c'est ça qui est beau. Permet de lancer pas mal de vieux jeux, principalement des point and click. Ouais. Mais il faudra voir pour Blue Drop si ça compense, parce que je sais pas pourquoi j'ai un bug où j'entends pas tous les bruits de pas du héros et certains sons qui disparaissent. Une fois qu'on aura terminé Worms, on commencera à s'attaquer à Gunplay. Ils sont bons. Tu commences à avoir pas mal de fans. Organisateurs pour une autre épreuve. Cool. On progresse. Ça y est, j'ai décongestionné ma carrière. On peut le dire. Il était temps. D'ailleurs, le sage. La 4 chaises qui est devenue championne, elle est née le même jour que moi. Ah. Le 8 juin. Bon, enfin, c'est 2 ans de plus qu'elle, mais sinon, elle est du 8 juin aussi. Le fait d'imaginer pour lui qu'on puisse avoir un match entre Austin Theory et Roman Reigns, s'il nous entend, je pense qu'il va s'arracher les cheveux là. Il déteste les deux, donc les imaginer tous les deux pour le titre suprême. Je vais pas bouder mon plaisir. Rally Raid, course de camion. Façon Paris-Dakar, je vous promets du beau spectacle. En plus, ça faisait un petit moment que tu n'avais plus fait de jeu de course, ça. Non, mais j'ai décongestionné ma carrière, là, j'ai débloqué de nouvelles étapes et celle-ci me plaît particulièrement. Je le vis comme une récompense. Je vais prendre vraiment mon pied, là, j'aime beaucoup. Thank you.
demain, tu vas avoir un travail sur la planche. Ouais, un montage, un truc. Ouais, alors après, c'est pas même tout, ça va. Mais ouais, que je fasse les deux Shadow Warrior et que je fasse le moment fort de Dragon Sky et Terra. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, le temps fort là, il va être. Ah oui, là, tu vas te refondre la gueule rien qu'en isolant le morceau à réécouter, c'est ultra. Sacré Dragon Sky. Je sais pas trop, j'espère que sur la diffusion on l'entend bien et qu'on n'entend pas que moi parler. Moi ouais. Je pense. Tes paramétrages son sont bons en général. Pas pour Twinsen en tout cas. Oui, mais Twinsen c'est Twinsen. Mais j'ai peur que ça lui fasse un choc, Twinsen, là, tu nous écoutes. J'ai peur que ça te fasse un choc quand tu vas prendre. Quand tu vas prendre conscience de la différence en ce que tu as paramétré. Et quand tu vas te lancer, tu vas te dire merde, pourquoi j'ai ce retour-là. Twitch est assez félon à ce niveau-là. Mais bon, tu t'y feras. Et cette sensation très désagréable, propre à tous les diffuseurs, de se sentir à l'aveugle. C'est pour ça que tout le monde demande qu'on. Les diffuseurs demandent toujours à leur public. Vous me dites hein, si c'est bien cadré, vous me dites si vous m'entendez bien, vous me dites s'il y a moindre problème. Il y a une sensation de vide. Ah, c'est terrible. Il y a une part de non-maîtrise dans le temps présent en direct qui est redoutable. Ouais, il y a deux solutions. Soit tu choisis de ne pas avoir de retour, pas que le retour revienne du retour. Justement. Si ton retour revient sur le stream, c'est pas bon. C'est pour ça que tu dois faire confiance avec le spectateur. Ou sinon, tu choisis un retour discal avec un téléphone, par exemple. Mais... c'était pas agréable de se réentendre en bout de temps. Moi j'aime pas. Pardon, j'ai renversé mon camion, bêtement. Encore maintenant, depuis que je suis streamer, ça me dérange pas d'entendre mon retour après un live. Je suis habitué, mais entendre mon retour pendant un live, à nous. Claudia Voltaire. A-t-elle un lien avec Voltaire? Oh là là, t'es en train de m'énerver. Une autre manière de faire la course, mais pas la bonne. Ouais. Ah, on est en été et les piscines gonflables sont de retour sur Twitch. Soupir. Mais je te dis pas comme les vendeurs de piscines ils doivent remercier Twitch. Ils ont pas besoin de la plateforme pour vendre du matos. Ouais, mais ça leur fait de la pub. C'est pas fou. Il est gratuit. Moi, si j'étais vendeur de piscine, comme une piscine, je mettrais ma marque partout. Hein. Je serais même de le proposer à des streamers. Suite à mon accident, je laisse la rentrée pour revoir le moment où je me suis couché et que j'ai été traîné sur plusieurs mètres. Mais je vais la refaire, évidemment. Mais l'accident, là, il est impressionnant. Mais un mauvais coup de volant, je suis monté sur le talus et voilà, ça pardonne pas en camion. Ah ! Vu que pit intérieur, excellent. Oh, c'est impressionnant. À chaque fois quand je vois ça, je me dis, on est. Franchement, l'homme arrive à faire des choses magnifiques. Oh, les machines sont superbes. Ouais. Justement, Twinsen, j'ai pris la. Ah, d'accord, c'est un truc technique. D'accord, merci. J'avais pris justement leur version de Abandonware. Mais je suis arrivé à l'installer le jeu. Parce que j'ai un souci, un petit souci. Éclair, ça je connais la astuce.
pas on y arrive à régler. Et là on va voir mon gadin. Dans quelques secondes, on va voir mon camion se coucher. Parce que j'ai eu une mauvaise coup de volant et hop, le talus et la flamme. Ah, c'est pour le mettre sur ce. D'accord, merci. Aïe aïe aïe. Je finis mes courses de camion et puis après on basculera tout doucement sur le tableau mystère. Oui. Oui. Et tu veux jouer au tableau ici? On va jouer avec le téléphone. De toute façon, je suis pas fort pour le tableau ici. Du coup, je fais mon petit indiscret par rapport à tes passants directs et ta famille et une pensée et salutation à ton frangin, mon cher fan. Est-ce qu'on aura le plaisir bientôt de le revoir avec toi pour une session Twitch? Oula non, ça fait des pieds et des mains que je le traîne, que ça fait 6 mois que je lui demande, il a fallu attendre mon anniversaire pour qu'il vienne. C'est pas trop son truc, mais je veux dire surtout encore plus maintenant qu'il est au travail. Non, c'est pas de la purée, c'est du cassoulet pour moi. Je ne mange la purée qu'une fois par semaine, putain, c'est que le samedi. Hein. Je sais pas pourquoi il écrit le Japon et tout, alors ça n'a rien à voir avec le Japon. Alors, en fait, je vais t'expliquer pourquoi il jette et crise le Japon comme ça. En fait, ça fait référence à Joueur du Grenier, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec mes émoticônes. Et en fait, quand une œuvre vidéoludique ou une situation est totalement délirante, en fait, c'est devenu peut-être un homme de l'Internet, mais du moins c'est célèbre pour la communauté de JDG. Il a une séquence célèbre où il fait Japon, où il danse en gesticulant de gauche à droite avec un éventail dans chaque main. Ah ouais. Voilà, c'est pour désigner une situation complètement cocasse et délirante. Bonsoir Tomouf et bienvenue. Hein. Bonsoir Tomouf, j'espère que tu vas bien ce dimanche soir, alors que je suis en train de réaliser une course virile en camion en plein désert, États-Unis, hein. C'est terrible. Et sinon, il y a qui est aussi intéressant, il y a aussi la nuit. Antoine Daniel qui fait des vidéos à l'étranger, enfin il fait principalement des vidéos en France, mais il a fait des spéciales. En fait le concept d'Antoine Daniel c'est de prendre 3 vidéos et de les critiquer. Voilà, vidéos what the fuck, voilà, qui sont pas spécialement cohérentes. Et il avait fait des spéciales Japon, spéciales Inde. Oui ça va pour moi Tom, ça va mais... tu vois, et il disait toujours, c'est normal en Russie. C'est normal. Et c'est devenu un name en fait. D'accord. C'est normal dans les pays étrangers. Je suis deuxième. Après tu fais une autre course ou tu fais le tableau mystère? Alors normalement je suis engagé dans un championnat, j'ai une course qui suit après celle-ci. Bon tant pis, je vais manger, je vais laisser Quintaine gagner le tableau mystère. Parce que comme je suis pas là, il va avoir du mal. Bah, il faudra déjà je compte les points du. Les réponses du tableau que j'ai balancé hier, parce que je vous l'ai dit, je voulais pas regarder, je voulais garder pour le lendemain. Donc, déjà, ça va vous laisser un délai de réflexion, d'action, avant que je déclare déjà trouvé. Vous allez pouvoir vous précipiter dans les 5 premières minutes pour tenter de gagner des points et donner vos réponses. Voilà. Je vais manger à plus tard. Voilà! À tout à l'heure!
je vais mettre la musique un peu plus fort. Tant que il n'y a pas de blabla. Pourquoi pas tu une scène, pourquoi pas. Non, je sais pas faire. Oui, mais je connais, je connais. J'ai la chance de l'avoir. Bah maintenant qu'on est copains, tu dois voir ma collection de jeux là sur Steam. Tu peux la voir. Je crois qu'il faut aller dans mon profil, un truc comme ça. Mais ouais, je m'étais un peu frotté et je sais plus pourquoi j'ai pu jouer. Peut-être que je manquais de temps. Mais ça m'avait laissé une bonne impression. Ouais. Ça plus mal, c'est terminé mon jeu de zigzag au volant du camion. Vache. Allez, deuxième course, c'est bien, 8 points sur 10. Bon, je rebois un coup là parce que... Ah, son dégât, j'ai pas de dégâts. Eh non, j'ai pas de dégâts, il est propre mon... conduit proprement moi monsieur. Allez go.
son dans la cache. Je déborde un petit peu. Stylé, je suis content. Mais c'est beau. C'est tout beau. Alors je sais plus si j'ai une troisième course derrière ou pas. Mais bon, si j'arrive à la faire du premier coup, c'est tout bénef. Et on va se laisser glisser vers le tableau mystère. D'ailleurs, je vérifie, j'anticipe mon tableau. Déjà de sortie, ouais, c'était le numéro 34. Par contre, j'ai pas les images pour que je puisse me guider dans les réponses. Il faudrait que je regarde les images. Je vois de belles choses dans les réponses. Je vois de belles choses. Je crois que vous êtes deux à avoir même bonne réponse. Oh, ça me plaît bien ce que vous m'avez répondu. On va faire le point dans 5 minutes. Alors, suis-je fou? Je suis avec vous en direct depuis 12 heures déjà. Oh la vache, j'ai commencé ce matin, il était 8h30 du matin. Mon dieu. On va faire 12h30 ensemble. Et bah dis donc, j'aurais été ravi de passer ce dimanche en votre compagnie. Oh là là. Mais c'est bien, une fois de plus, ça m'a ressourcé à mort. Hein. Ça m'a rechargé les batteries et j'ai eu un plaisir fou à bavarder avec vous. Et là, je suis prêt pour ma grosse semaine qui m'attend. Là, sans déconner, j'ai du mieux cette semaine. Faut pas que je oublie de redonner le détail à FunFan qui sait pas ce qui se passe sur Pandora. Il avait compris que mercredi, jeudi, vendredi, je serai pas là et dimanche non plus. Enfin, pas là. Pas disponible. Je jetterai un œil de temps en temps. Ah, je vous dis, je suis en fête. Ces sauts de camion, magnifique, magnifique. On en a une troisième ou c'est bon? Honnêtement, je sais pas, j'ai pas regardé. Là bas, ça sera pour la prochaine fois, c'est bien. Hop, un quart de million d'euros, allez, on direct. Oh oui, j'en déverrouille deux. Oh, j'ai déverrouillé la rangée. Oh, c'est bon, ça. Ah, ça me réussit le rallye raid avec les camions, franchement. T4, là, c'est excellent. Alors là, un rallye en Allemagne, apparemment. Ouais.
Et là, c'est quoi? C'est course de côte. Oh, bah, la prochaine fois, ça va être intéressant. Et en haut, j'ai déverrouillé rien du tout. Parce qu'il faut que je me fasse quand même 4 points. Mais c'est bien, c'est bien. Oh là là, il y a plein de choses à faire. C'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Merde, je fais des bêtises. C'est quoi ça? Doucement le son, on se calme. Ça va être le retour de la voix. Sauvegardez profil actuel. Ouais. S'il vous plaît, monsieur. Oh là là, la mise à jour, elle a merdé. Oh, ils ont décalé le... Mais non, mais c'est devenu visible. Faut arrêter la mise à jour, faut la refaire. J'espère qu'il y en aura une sous une semaine, parce que franchement, ça fait tâche. Pauvre interface de la PS3, malmenée, c'est moche. C'est muche. Allez-y, j'éteins ma console. Alors, le tableau mystère, attendez. Déjà, il faut que je change le titre à la catégorie. Oh mon dieu, cette citation est trop grosse. Hop, j'en reprovoque une autre. Oh merde, oh, tant pis. Oh. Pff, je vais pas me battre avec les citations. Alors attendez. Le tableau mystère. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, point d'exclamation TM. Voilà, en plus je le précise. Là, là, vous pouvez pas louper. Là. Plus d'excuses. Alors, ce tableau mystère, où qu'il est? Pouc. Point d'exclamation. TM. Espace suivi de votre réponse. Pour ceux qui veulent jouer. Et moi, je vais regarder les réponses que vous m'avez précédemment données. Je suis déchaîné. Alors, attendez, c'est où? Je veux voir vos réponses. Qui m'a répondu quoi? Alors, une première réponse de monsieur Fromose de la très belle ville de Nancy. Je ne suis absolument pas objectif. Vous me connaissez. Alors, attendez, c'est quoi mon tableau? C'est mis dans quoi? Je sais même plus. Ah oui, c'est le 34. Il faut que je sois à la bonne ligne quand même pour les réponses. Ah, ok. Alors, qui m'a répondu bien? Alors, Twinsen, Frobos, vous êtes deux à m'avoir donné une bonne réponse. Alors, je me note. Ouais. Pareil. Merde. J'ai fait une erreur de saisie débile. Elle est bonne. Liliboud. Alors, attention, je vais attribuer les points, mais avant, il faut que je déclare comme étant trouvé le schmilblick. Eh oui, vous avez reconnu Monsieur Boyle, je crois de son nom. C'est l'animateur déjanté de Mega Race 2. Mega Race 2, ouais, c'est la réponse que j'attendais. Alors, attendez, je vais donner des points. Et Frobose m'avait donné cette bonne réponse également. L'ami Frobose, attendez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir sucrer vos réponses. C'est bon, c'est fait, c'est trouvé. Alors, j'ai une autre réponse. Qui est pas la bonne. Non, Morbo avait proposé Medal of Honor. C'est pas ça. Alors, Tunsen, tu m'as donné une autre bonne réponse, je crois. Oui. Est-ce que t'es le seul sur cette réponse? Oui. Ah là 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 là. Papa da papa papa da papa.
Alors, un jeu que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, Dark Earth. C'est pas évident la fin contre l'antagoniste ou sa patate méchant en arène de duel, là, mais magnifique. C'est, qu'à le dire, le camp de la lumière contre le camp des ténèbres. Une belle histoire en plus, ça m'avait marqué, j'avais bien aimé. J'avais fait il y a des années. Oh, je pourrais plus dire en quelle année, il y a plus de 10 ans hein, que je l'ai fait le jeu. Pop, 500 points de plus dans l'escarcelle de Thunsen. Bien joué. Pouk. Alors, d'autres réponses. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ah, une autre bonne réponse de ta part, Thunsen. Bien. Je note à nouveau. Merde au moins, oui. Tac, 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 tac. Alors, exceptionnellement, là, je donne les points avant même de dire que c'est trouvé, c'est scandaleux. En fait, le jeu, il est là. C'est la petite barre verte avec le flingue au premier plan, c'est Alien Trilogy. C'est une bonne réponse de l'ami Twinzen. Bien joué. Alors, attendez, je vais dupliquer une entrée dans le tableur, voilà, parce que j'attends d'autres réponses. Ah, j'ai encore une réponse. Ah, bien. Bien, bien, bien. Attendez, ils m'ont déjà trouvé, il faut que je le vérifie en fait, parce que j'ai un doute. Oh non, il m'a réinitialisé mon truc. Oh là là, nul. Pardon, je regardais un truc, hop là. Oh, il m'a cassé mon index, c'est nul. Donc ça c'est bien, voilà. Donc voilà, tu m'as trouvé ça, le château en monochrome. Bien vu mon cher Twinsen. Hop là. Encore 500 points, c'était Orphée, la réponse que j'attendais. Alors... Ouais, effectivement. Le tableau mystère vient d'être torché une nouvelle fois par Twinsen. Bravo à toi mon cher Twinsen. Tu es absolument remarquable. Mince, mais qu'est-ce que je fais moi? Ah, je clique pas là où il faut, au secours. Bonsoir Saul Goodman, j'espère que tu vas bien. Alors attendez, je suis en train de me perdre. 5 fois... 1, 2, 3, 4... Oui, il faut que je fasse une... Voilà, cinquième fois. Othello CD-ROM, c'était la réponse que j'attendais. En fait, pour ça... Voilà. Donc, effectivement, le tableau mystère est tombé. Je vais vous chercher un autre tableau mystère. Bougez pas. Alors... Bah oui, ça va fort bien. Tu vois, je suis déchaîné, je suis d'excellente humeur. Là, tu vois, je vais quasiment boucler après 12h30 de direct. J'ai commencé à 8h30 ce matin. J'ai pas arrêté. Mais génial, je me suis éclaté. On a fait plein de jeux. C'est bien, j'ai rechargé les batteries et j'ai fait le plein de bonne humeur pour la semaine à venir. Et ça tombe à point nommé. Donc c'est bien que tu ailles fort bien, Saul. C'est cool. Ça fait plaisir à lire. Alors, attendez. Cette fois-ci, c'est moi qui vais choisir le tableau mystère. Il est même déjà en pyjama. Non mais ça c'est une chemise ça. Si tu parlais de moi.
Oui, 12 heures d'affilée. Bah, je me suis fait une pause, si tu veux, déjeuner, où j'ai mis la compile de mes clips pendant 1 heure. Donc ça m'a laissé le temps de me rafraîchir et de me restaurer. Mais sinon, j'étais tout en face caméra depuis 8h30 ce matin. Et j'ai encore de l'énergie à revendre. Mais je suis dopé par votre bonne humeur. Je vous remercie. On s'est éclaté. On a fait plein plein de trucs, c'est extra. Bon, attendez, je vais choisir le tableau mystère suivant. Tandis, tandis, tandis. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors là, je ne regarderai pas les réponses, hein. Je les regarderai samedi prochain. Je les regarderai samedi prochain. Je regarde un peu. J'essaie de voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Oh la vache, on a fait plus de la moitié des tableaux là. On l'a fait celui-là, je m'en souviens. Ah! D'accord. Oui, non, personne n'a proposé avant. Effectivement, Sol, ok. Tu me diras quel canal tu veux que Sky Marmotte, ah, mais tu l'as indiqué. Ok. Ah, je connais pas. Ça me dit quelque chose, Sky Marmotte. De retour. Heureux, mon cher Fun Fan. Ouais, non, il avait été fait celui-là. On l'avait fait celui-là aussi, hein, décidément. Lequel qu'on n'a pas fait? J'ai un doute à vérifier. Est-ce qu'on avait fait le 68? Je crois pas. Non. Bah, je vais vous proposer le 68. Le 68e me plaît bien dans ma liste. Ouais, je vais faire un gros truc comme ça. Le 68e. Alors, clac, clac. Oui, je regarderai donc samedi prochain. Samedi prochain, on sera le 9. On irait se faire cuire un œuf. Ouais, pourquoi il refuse ma saisie? Ah, bon. L'autre, il m'a envoyé bouler. Le tableur, il voulait pas que j'édite ma case. Ma cellule. Non. Oh, j'ai encore loupé ma. Voilà. Là, c'est bien. Merdoum. Alors, je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà. Là, je fais un tableau tout propre. Donc, tac. Voilà, le 68. Voilà, je peux fermer mon tableau. Le 68 arrive. Normalement, il prend l'antenne vers 21h si tout va bien. Oui, bah le temps de faire le remerciement et tout, avec un peu de chance à la seconde près, le relais de chaîne avec Sky Marmotte va se faire. Le 68, j'ai dit. J'ai dit. Attendez, il arrive. Il est où le 68? Voilà, je vous laisse jouer avec ça. Il y a 5 jeux à trouver dans cette image. Niaf, Pour l'instant, c'est le 34 que je vois. Ah, ça y est, excuse-moi. niaf. Oui, un petit décalage. Oh la vache, le mec, la photo du mec là en bande dessinée qui est blessé là, qui fait la tronche, il est. Waouh, il attire du regard, le dessin est bien fait, c'est waouh. Alors, les remerciements. Déjà, en premier lieu, je te remercie, toi, mon cher Fun Fan, pour ta présence, ta modération, les clips et l'animation que tu as offert sur mon canal d'aujourd'hui. C'était un vrai bonheur. Merci tout plein.
Merci à Petit Seb Live, Petit Seb qui a fait un relais de chaîne tôt ce matin en fait, quand j'avais pris l'antenne là en matinée. Merci à lui. Bah tiens, c'est bien. Mon journal de bord Twitch qui me balance le Sky Marmot que m'a écrit Soul Goodman. Comme ça, j'ai qu'à faire un astucieux copier-coller. J'aurais plus qu'à faire raid et hop, ce sera bénef, tranquille. Mais c'est bizarre, il me dit quelque chose Sky Marmot. C'est pas lui qui avait joué avec The Fantasio 974, l'ancien acolyte de Bob Lennon, quand il était sur Hearthstone, le jeu de cartes, la magique, machin. Ah non, je t'en prie, Sol. Mais je me demande si c'est pas lui. Il me dit quelque chose de réputation, Sky Marmot. Ou alors c'est toi, tout simplement, Sol, qui me l'avait présenté il y a longtemps. Et j'ai pas gardé en mémoire, mais c'est resté au fin fond de ma mémoire, quoi. C'est un YouTuber, non pas que je sache, tu lui demanderas. Non, je l'enquiquinerai pas. Mais oh, je me demande si tu m'en aurais pas parlé, Sol. Ouais, c'est vrai que tu m'as donné d'excellentes références. Et je t'en remercie. Voilà, voilà, je vous laisse jouer. Je regarderai les réponses plus tard. Samedi prochain. Je vais d'ailleurs tout de suite, tiens, tant que j'y pense. Vous avez gagné le droit de voir ma tronche maintenant. Vous avez assez vu le tableau mystère. Ah là là. J'ai le mage qui me brise les noisettes. Oh mon dieu. Ah mon dieu, cette phrase. Je vais essayer de bien avoir la lumière au-dessus de la webcam. Ça va faire très professionnel, je pense. Enfin, normalement. Oups. Oh, bien posé, ça fait bien. Vous me voyez bien là, c'est cool. Par contre, ça m'aveugle la tronche, c'est une horreur. Je disais, je voulais faire quoi ? Concentration. Concentration complètement perdue. J'ai de quoi faire le relais de chat, je voulais faire quoi ? Mince ! J'ai remercié tout le monde, merci de votre présence. C'était un pur bonheur. Oui, j'en suis à midi, à 12h37 minutes de direct. J'ai le compteur sur mon écran secondaire. Mince, je voulais faire quoi, je sais plus. Ah oui, mettre tout de suite dans mon Discord le tableau mystère. Au moins, ce sera fait, j'aurai la conscience tranquille. Mon tableau mystère, il est où? Il est là. C'est le 68, normalement. Comme ça, je pourrais passer tout de suite à mon dîner tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, quand j'aurai raccroché, rendu l'antenne. Pouc, pouc, pouc. Puis sinon, mon cher FunFan, on aura le plaisir de retrouver sur ta chaîne tout au long de cette semaine à venir, là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le 68. Voilà! J'aurais pas le petit message privé de Tunisien qui me dit T'as oublié de mettre à jour ton tableau mystère dans ton Discord. Je ne peux pas jouer. Ouais. Il me l'a fait 2-3 fois le message là, mais je comprends. Ça fait plaisir qu'il aime le jeu. Oui, c'est ça. Le sage dans 6.exe a cessé de fonctionner. Alors, j'en ai fait des pas mal aujourd'hui. Hein. Franchement, aujourd'hui, bonne humeur, j'étais déchaîné. Il reprend ses directs aujourd'hui, d'accord. Ah. Et là, du coup, il aimait ou pas? Parce que si je fais une tentative de... Attends, Sky Marmot, je vais essayer de voir sans déclencher le son. Est-ce que je peux bouger pour... Je vais me connecter à sa page Twitch, en fait. Hop, je coupe le son. Histoire de pas court-circuiter avec mon propre direct. Mais oui, il est en direct. Il fait de retour sur Twitch, il fait The Quarry. Je sais pas ce que c'est. Eh bah oui, voilà, on va aller voir l'intéressé. Peut-être pas en 100... Oui, en 480, ça suffira. Je vais peut-être pas fumer ma bande passante. Oh, c'est un barbu à lunettes. Oh mon dieu, on va monter une équipe. C'est ça. Bon bah voilà, je vais lancer le raid. Ouais, il aimait, ouais, je viens de voir. Bon, bah, c'est parti pour Sky Marmot. Ah, merci à toutes et toutes, c'était génial. Bonheur, tu voulais rajouter quoi, FunFan? Non, vas-y.
Merci, voilà, merci FanFan, merci tout le monde, merci Petit Seb Live, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur sa chaîne. Pub très rapide pour Petit Seb Live. C'est là où je vais me planter, vous allez voir. Qui a eu la gentillesse de me faire un relais de chaîne ce matin. Et voilà, Valou. Et puis moi, je vous retrouve samedi 9h pour Lara Croft en Égypte. Voilà, c'est quasiment certain. Voilà, Valou. Et là, moi, vous me retrouverez sinon voilà, en commentateur, modérateur chez l'ami FunFan en semaine. Prenez soin de vous, bisous, bisous. Et n'oubliez pas de boire de la flotte avec cette chaleur. C'est terrible. Et encore, c'est terrible. On n'est pas encore en vague de chaleur, mais pourvu que ça revienne pas avant longtemps. Voilà. On va filer chez Sky Marmotte. Nanani nanan. Attendez, je regarde. Hop. Faudrait que je coupe subtilement le. Eh ben merci de la suggestion, mon cher Saul Goodman. Voilà, voilà. Tu parles pour boss. Alors attends, je vais écouter un peu ce que me dit Monsieur Sky Marmotte et puis je te dirai FunFan quand tu pourras librement me reparler en antenne. Hein. Voilà, histoire de pas se court-circuiter dans les propos. Je crois pas que le raid est parti ici. Ah voilà. Il a été amorcé. C'est bon. Alors je vais écouter ce qu'il va dire, je sais pas s'il va le voir. Et on va rebrancher. Est-ce que ça bug toujours? Alors. Ah mais c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. Alors attendez, si je regarde dans mes paramètres. Il a pas vu apparemment. en tout cas, merci à vous de m'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, bisous. Si je fais